et à tous et bienvenue sur Abandonware France et Megatest. Aujourd'hui nous allons tester un jeu PC, To The Moon. Ce n'est pas vraiment un jeu mais plutôt une expérience à vivre, une histoire à lire, à écouter avec la musique qui est absolument magnifique. Vous dirigez deux scientifiques où leur but sera de réaliser le dernier vœu de Johnny, un grand-père à l'article de la mort. Je vous laisse voir le test en vidéo maintenant. Commençons déjà par le résumé du jeu. Docteur Eva Rosalen et Nels Watts sont capables de maintenir en vie leurs patients en leur fournissant des souvenirs à revivre. L'aventure que nous suivons dans To The Moon sur PC les mène à parcourir la vie de Johnny pour retrouver les souvenirs du vieil homme jusqu'à lui permettre de vivre son rêve ultime, s'envoler vers la lune. To The Moon est sorti en 2011 uniquement en anglais et a été traduit suite au carton du jeu. Freebird Games est à l'origine de cet ovni. Je vais tenter de ne pas vous spoiler l'histoire car ce serait dommage que je vous révèle que l'écureuil écrasé a une odeur de charogne le lendemain de sa mort. Vous êtes donc l'équipe des deux scientifiques de la Sing Moon Corp qui devront découvrir les souvenirs du vieux Johnny. Vous devrez retrouver dans chaque souvenir des perles qui vous permettront d'activer le memento pour remonter aux souvenirs précédents. Ce memento sera composé d'un mini-jeu où il faudra retourner des cases afin de découvrir une image clé qu'il faudra associer plus tard dans le jeu. Au premier lancement du jeu, vous risquez d'être assez désappointé. En effet, les graphismes vous rappelleront sûrement les jeux de rôle type SNES ou Mega Drive, mais au fil de l'aventure, les graphismes dévoilent leur potentiel et vous aurez droit à de beaux couchers de soleil ou une nuit étoilée absolument fabuleuse. Vous balader dans les différents décors vous transportera dans un monde qui se développera au fil du jeu. Ne vous attendez pas à avoir des boss de fou, développer des pouvoirs qui feront pâlir un Sangoku en super guerrier ou collectionner les Pokémon, mais simplement à lire un livre chargé d'émotions qui vous en donnera pour votre argent. Imaginez que vous lisez une histoire et que non seulement vous devez tourner les pages, mais en plus vous devez interagir à beaucoup de choses, ce qui vous aidera à avancer dans l'aventure. Vous aurez donc tendance à vous dépêcher de cliquer un peu partout afin d'avancer et connaître la suite. Vous rencontrerez plusieurs personnages et tous sont importants. Entre Lily et ses deux enfants qui s'occupent de Johnny, notre patient, River, sa femme, chacun a son intérêt. Une ligne de vie est située en haut de l'écran, elle apparaît à chaque début de souvenir. Vous pouvez vérifier où vous en êtes en montant simplement le curseur de la souris. Vous commencez tout à droite à la fin de la vie de Johnny, le but sera de revenir à son enfance. To The Moon est plus qu'un jeu, c'est une expérience. L'histoire est le point principal. Vous êtes plus un spectateur ou lecteur qu'un joueur. La souris suffit à effectuer toutes les actions du jeu, le clavier sera aussi utilisé à certains passages. Les musiques sont pour beaucoup à l'émotion qui se dégage du jeu. Chaque mélodie est magnifique et correspond parfaitement à la situation. Kangao et Laura Shigihara dirigent majestueusement la voix et les notes, et je pense bien que vous lâcherez une larme avant la fin. Pour apprécier To The Moon, je vous conseille de couper votre portable et vous y plonger pendant un moment où vous pouvez être tranquille. Comptez environ 4 à 5 heures pour le finir. Il faut savoir que si le jeu marche bien, Freebird Games pourra en faire une série et sincèrement j'en redemande. Le jeu est souvent en promotion sur Steam, mais je vous conseille d'acheter la bande originale tellement elle est magnifique. La note Megatest est de 97%.
est-ce que ça vous a plu? Moi, j'ai vraiment adoré. En tout cas, j'attends la suite avec impatience. Je vous dis à très bientôt, de toute manière, pour un prochain test. Et je vous conseille grandement, si vous avez aimé la musique, d'acheter la bande originale sur le site officiel de Freeboard Games. Je vous dis à très bientôt pour un prochain test sur Megatest et Abandonware France. Chin up, I can't step into the spotlight. She said, I'm sad, somehow without any words. I just stood there, searching for an answer.